lance la VOD. Parce que là, du coup, j'ai bien envie de continuer, mais il me reste, à ton avis, combien d'heures de jeu? Je mange des saucissons. Arrêtez, moi aussi, j'ai faim. Il me reste combien d'heures de jeu? Oh. Hop, let's go. Ok. Bah, y a pas de singe, hein. C'est bon, y a pas de singe. Du coup, je sais pas. J'ai toujours pas trouvé du fouet à la truffe pour goûter. Ah, dommage, à coup. Mais ça, faut que tu demandes à Ulmeo, il aura la marque exacte. Du fouet à la truffe, mais qui est trop trop bon. Hop. Tout, 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 tout. Ok. Let's go. J'ai... Et personne suit. J'ai pratiqué... Tout à l'heure, on m'avait déjà dit que j'étais à la moitié Volk avant tout ça. Personne ne suit, je vois. Moi, je vois juste que personne ne suit. C'est pas grave. Pas grave du tout, je ne vous en veux pas. Oublie du grand-père. Bah, maintenant que je le dis, c'est facile de le dire, hein. Relienne. C'est là, hein? Oui, c'est là. Toutes ces minutes perdues pour rien du tout. Pour rien. C'est terrible. Le ruban encreur, ça dégage. Et on prend le petit rapin. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Laissez, oui. Grappin. Yes. Ok, c'est parti. Oui, mais bon, enfin, genre... à coup, si tu comptes toutes les morts que j'ai fait, quelques minutes plus quelques minutes, ça commence à faire à peu près 1h30 de perdu sur tout ce live. Donc bon, hein? Pas du tout au bon endroit. Mais pas du tout au bon endroit là. Tu lances, tu laisses le lance-greu ici. Il y a le lance-grenade. C'est vrai? J'ai même pas vu. Pour dire à quel point j'ai même pas vu. I'll go. Yeah. Yep. Yep. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que. Laissez, oui. Attends, viens par là. Come on. Come on. À la limite, ce qu'on a qu'à faire, c'est... Déjà... Non. En fait, je sais pas. Je sais pas. On va échanger. Voilà. Ça me paraît bien. Du coup, là, je prends le lance... Hop! Voilà. C'est parti. J'ai pas d'armes dans les mains. C'est bon. C'est bon, c'est bon, on y va. Vous pensez qu'il y a quoi au-dessus de la chapelle? Moi, je pense... qu'il y a des choses pas ouf. De type on va rencontrer... On va avoir... Moi je pense qu'on va avoir une info sur l'histoire. Dans la chapelle, là tout de suite maintenant, genre en haut. C'est sûr. On va pas juste avoir des zombies posés comme ça. Je pense qu'on va avoir des infos.
Des révélations ou quelque chose ou un cercueil, tu vois, ou ce genre de choses. Il serait possible. Ok. Oh non, mon tragibus. Ok. Oui, mais elle peut pas venir avec moi, c'est vrai? C'est vrai, tu penses qu'il me reste 4 heures de jeu? Tu l'as déjà fait ou tu l'as déjà vu, Nana? I'll go check over there. Yeah. Oh, cool! Follow me. Okay. Ça veut dire qu'on peut y aller tous les deux. Trop cool! Ah, ça, c'est grave cool. Ça, là, tu vois, dans ces moments-là, je suis contente. Quatre heures, c'est chaud, hein. Bon, du coup. Ok, d'accord, c'est un jeu de trésor qui est passé en... Ok. Je vois, donc toi... You stay here. C'est okay. Toi qui va rester là, par contre, je lui donne pas d'ordre. D'accord, parce que lui, il fait tout depuis tout à l'heure. Bon appétit à coup, des bisous. Et gambatte, yes, t'inquiète. Combiné. Yes, comme ça, on peut reprendre. Notre pistolet. Oui. Et on a tout ce qu'il nous faut. Équipé, allez, let's go. Nous, on y va. Elle, elle reste là, en sécurité, bien sûr. Là où il y a la save. On ne sait jamais. Donc, normalement... Attention. Je le sens pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Ah non, ça va. Descendre de l'échelle, oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah! Actionner le levier, oui. Et voilà, et ça c'est un sous-sol. Et je vous ai dit quoi au début du... au début là d'aujourd'hui? Je vous ai pas dit en mode... Je vous ai pas dit en mode... est-ce que... Tu sais, j'ai regardé par la fenêtre et il y avait marqué « Il y a un lac ». Je vous ai pas dit genre... je pense que le combat final va se faire sous le lac. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais... n'aurais-je pas raison? Je pense que si. Hein. Ok, let's go. Je pense fortement. Alors... On va ici, on va aller récupérer la... Elle est en danger. Donc on va essayer de récupérer l'herbe rouge pour la mixer à l'herbe verte qu'on a sur nous, qu'on n'a pas utilisée. Heureusement, j'ai hésité. Hein. J'ai hésité, mais on l'a pas utilisée, voilà. Et du coup, c'est parfait. Ça va nous permettre d'être en bonne santé et en moyenne santé, entre guillemets. Viens avec moi, toi. Ok. Oh le Mac, merci beaucoup pour les 100 cheers, merci à toi. C'est trop gentil. Hop. Regarde, on a une vue d'ensemble du lac depuis la falaise. Bah dis donc, une vue sur le lac, pourquoi faire? Un lac. Voilà, merci encore le Mac. Combiné, tac. Utilisé, voilà, là on est bon. Allez, let's go les amis, on y va. Hé hé. Ah là je suis hype, là j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a en bas.
des choses qui vont que je vais détester, mais c'est pas grave. Attention. Cinématique. Ah non. Oh, je suis déçue. Ah, il y a un truc là. Il y a des escaliers qui montent, mais ils se sont effondrés. Vous ne pouvez pas les emprunter. Mais ça là, on peut pas lire. Ok. Ah, il y a une porte. Oh là là, j'avais même pas vu la porte. J'ai cru que c'était le mur. Terrible. Terrible. Qu'est-ce qu'ils ont de beau à nous montrer? Il va y avoir des ennemis là. Ouais. Heureux Angèle. Journal de Marcus II. Cette page a été déchirée. Il ne se passera sans doute rien, mais j'ai mis mes bébés dans une capsule spéciale. Je ne peux pas la conserver moi-même, ce sera dangereux. Je vais la cacher ici. Pour cacher une feuille, mets-la dans une forêt. Ah, pour ouvrir la capsule, il faut utiliser un décapant spécial. Les larbins de Spencer ne sauront jamais comment s'y rendre. Ok, donc le décapant qui est dans l'autre bâtiment, donc on va falloir faire un aller-retour. Trop bien, je suis ravie. Mais le Mac, merci encore pour les 100 cheers. Et pourquoi? Il y a un zombie là, hein? Ouais. Oh, il y a... Oh! Non. Ah non, j'ai pas envie, non. Qu'est-ce que... Elle a de la place. Elle va sauvegarder. On va sauvegarder. Et moi, je pense que du coup, on va devoir faire... Il y en a un qui va... Là, s'il y a un monte charge, ça va faire comme dans le train, vous vous souvenez? Oh, merci beaucoup, le Mac, pour le sub offert à Ronflex. Ah, ça s'est fait en même temps. Ah ouais. D'accord, mais merci beaucoup le Mac pour le sub offert à Ronflex, c'est super cool. Et coucou Argou, comment vas-tu? Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire sur ma théorie, mais ça va faire comme dans le train, ils vont être séparés. Voilà. Oui, enregistrer les données. Aïe, tac, voilà. Là, oui. Moi, je suis innocent, on ne peut pas les posséder, mais range ce bebal. Coucou, Joyeux Hunger Games, merci. D'ailleurs, pourquoi tu dis Joyeux Hunger Games à chaque fois? C'est peut-être une rêve que j'ai pas. Bon, le mal de crâne est passé, je vais essayer de dormir plus que... Je vais essayer de dormir plus que 2 heures ou plus de 2 heures? Plus de 2 heures, ce serait sympa, ouais. ça, c'est le monde charge, on s'en fout, du coup. Plus... Ouais. Ce serait sympa. Mais le Mac. Merci pour le savoir-faire à Sharp Shooter. Merci beaucoup. Oh, ils vont être séparés. Regardez, je sais. C'était sûr. Merci beaucoup le Mac. Range ce PayPal tout de suite. Tout de suite. On range ça. Ok. Ok, là on a ça, mais sans... Oh, il y a une note. Il y a une note. Note. Voilà. C'est à cause de Keijin, quand on fait du DVD, c'est resté... Ah, ok, je vois. Je vois, je vois. Journal du directeur du laboratoire. Aujourd'hui, j'ai changé le code d'accès de la plateforme conformément aux ordres du directeur Marcus. Je lui ai demandé d'où venait le code d'accès. Il m'a dit que c'était basé sur des épisodes marquants dans la croissance de ses enfants. Mais le directeur est un solitaire, il n'est pas marié, je suis sûre qu'il n'a pas d'enfant. Oh non, il parlait des sangsues, ses enfants, mais bah... C'est en rapport avec le film et les livres. Oh, ok, ok. Qu'a-t-il voulu dire? Ouais, ouais, bah j'ai compris moi ce qu'il a voulu dire. Il a voulu parler de ses sangsues, là. Voilà la haute
Marche du podium. Merci beaucoup, le Mac, pour les 300 cheers. En fait, tu voulais être premier partout, c'est ça? Merci à toi. C'est quoi ça? Allez, merci. C'est quoi ça, ce que j'ai touché là? J'ai pas compris. Bon là, il y a un Luffy. Je suis pas hyper fan. Alors, on va aller ici. C'est la carte. Oui, non mais ça c'est la carte, oui, mais j'ai pas compris le truc des objets. Ah, je ne peux pas le porter, c'est bien. Ah ! Non ! Mon Dieu ! C'est immonde ! Bon, il me faut un récipient, là. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un dispositif servant, ouais. Ok. Là. On dirait une sorte de substance chimique, il faut un récipient pour la transporter. Bah ça, oui. Ça, on veut pas trop y aller. Ok, et là, il y a quoi? Oh là là, je le sens pas. C'est trop grand. C'est trop grand. Beaucoup trop grand. qu'est-ce que... J'ai essayé d'esquiver comme je pouvais, hein. Je pouvais pas faire mieux. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-bas? Bah du coup, on va pas aller là-bas, voilà. On va aller visiter d'autres endroits. Je pense que cet endroit va être ultra chaud. Hop. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi t'ouvres la porte comme ça, là? C'est fermé, impossible de ouvrir, ok. Oh, du soin. Ah. Allez, je peux pas le mélanger par contre. Je suis en danger. Je suis en danger. Ah non, ça craint. Bon, bah, je pense qu'on va l'utiliser. Non, je peux même pas l'utiliser. Attends. On va tester une autre porte. On va aller tester une autre porte. Comment ça? Je veux juste pas mourir parce que je vais rager. Voilà, si je meurs. Là, il y avait une porte et là, il y a une autre porte. Et on peut pas y aller, c'est fermé, ok. Ok, ok, donc là, il y a une sauvegarde. Non, on va tester autre chose. Si je meurs, c'est pas grave. Parce que on n'a rien fait, en fait. On n'a rien fait du tout. Donc si je meurs, c'est pas grave du tout. Voilà, on va réfléchir dans ce sens-là. C'est plus sympa. Et puis let's go quoi, faut tenter. À un moment donné, faut y aller quoi. Heureux Amitrax. T'as bien mangé? T'as mangé quoi? Ok. Attention. Des fois. Ça marche. C'est bien, non? Là, on dirait une sorte de substance chimique. Ok. Ouais, couvert de saleté. Il y a des choses... Ouais, sur la table d'opération. Là, il y a une feuille. Ok, ok, c'est bon. Vous voyez, c'est bien de tenter des fois. Rapport d'enquête. Docteur Marcus, cofondateur avec le président Spencer d'Umbrella Corporation. Merci Dedeville pour le follow, bienvenue. Disparu depuis 10 ans, les résultats de ses recherches ont été étouffés pendant tout ce temps. Nous avons compris pourquoi ici, au centre dirigé par le docteur Marcus, enfin pas exactement ici mais au sous-sol,
En nous y aventurant, tout est devenu clair. Nous avons retrouvé des preuves des recherches du docteur Marcus sur un prototype de virus T baptisé Précurseur. Des preuves d'années d'expérience ignobles sur les employés de la société utilisés comme cobayes. Nous ne savons pas combien ont été contraints de se plier aux expériences, mais selon nos preuves, il y aurait au moins 20 individus concernés. Certains ont été délibérément éliminés pour garder le secret. On ne sait pas ce qui est devenu le docteur, mais étant donné la croissance rapide d'Umbrella Corporation, je ne peux m'empêcher de penser que ces recherches se poursuivent. Oui, ces créatures vivent et continuent de se développer dans l'ombre. Ces choses, le fruit de ces recherches, infestent ce centre. Il manque le reste du carnet. Ok. Ok. Ah, il y a une chose étrange sur la table d'opération. Eh ben quoi? C'est quoi la chose étrange? Moi, je peux pas la voir. Cordon bleu avec pommes de terre et petits pois. Je me suis gavée de gâteaux à la noix de coco. Oh, la noix de coco, j'aime pas, mais cool. Ce repas donne envie. Ouais, j'avoue par contre que le repas, il donne envie de ouf. Ah! Oh, du soin! Oh, je peux pas transporter, mais t'inquiète, je peux toujours transporter. Toujours, mon ami. Regarde, laissez. Oui. Hop! Oui! Trop cool. Et. Hop! Examiner n'importe quoi, j'allais examiner, mais. On récupère le pistolet, s'il te plaît? Tu es tout nu. Tu es sans pistolet. Hein, voilà, merci. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient remarqué, j'ai échangé leur pistolet à eux deux. Voilà. Pour le fun, j'ai trouvé ça drôle. Ok, donc il y a un truc qui vient de passer par là. Alors, la porte est ornée d'un buste de... J'ai paniqué, hein. J'ai paniqué le Mac. Merci beaucoup, mais... En fait, j'ai vu 2000, et avec la fatigue, je me suis dit, quoi? Mais en fait, de 1, c'est un paix, et de 2, c'est juste un paix, en fait. C'est avec des points de chaîne. J'étais en train de paniquer. Tout va bien. Il y a un trou à la base pour mettre un objet. D'accord, et quel objet? Ouais. Je sais pas. Je sais pas quoi faire, là. Peut-être qu'à la bibliothèque, il y a un truc à faire. Je ne sais pas. Je pense pas. J'espère pas. Là. Le problème, en fait, c'est qu'on n'a pas le récipient. Il nous manque le récipient. Salut, Aklong, comment vas-tu? Oh, mais il y a une note, là. J'avais pas vu. C'est quoi cette note? Croissance des sangsues le 3 février. T'es administré à 4 sangsues. Merci, Puriardi, pour le follow. Bienvenue. T'es administré à 4 sangsues. Leur instinct de survie les pousse d'abord au parasitisme, puis à la prédation. Au parasitisme, puis à la prédation. Ensuite, elles se reproduisent et se multiplient. Leur profil biologique tenace en fait des candidats de choix pour la recherche sur les armes biologiques. Ensuite, aucun changement majeur à signaler. Le 10 février. 7 jours depuis l'administration du thé. Croissance rapide, doublement de la taille. Signe de transformation perceptible. Faut que je note par contre les mots en rouge. Donc il y a marqué 4, puis ensuite c'est doublé, donc 8. Leur nombre a doublé en une heure, mais leur appétit insatiable les pousse au cannibalisme. Augmentation immédiate des rations, mais perte de 2 spécimens. Donc ça, c'est en rouge et ça, c'est en bleu, si jamais. Le 7 mars, test avec nourriture et perte de la moitié de l'effectif quand la nourriture s'est défendue. Alors du coup, ils en ont perdu 2, c'était 6, donc je dirais que c'est 3. Cependant, les sangsues apprennent vite et le développement des comportements d'attaque en groupe. Le cannibalisme commence
A cessé, leur évolution dépasse toutes les espérances. T'as mangé quoi, Dark Diablo? Les sangsues ne font plus preuve de comportement individuel, même hors des périodes d'alimentation, elles agissent collectivement. Elles consomment ce que je leur donne avec une efficacité surprenante. Un employé a découvert par hasard mes expériences. Un humain peut-il servir de nourriture? Comment vont réagir les sangsues? Oh non, mais c'est horrible! Un jour, à marquer d'une pierre blanche, aujourd'hui elles ont commencé à m'imiter. Elles reconnaissent leur père, prodigieuse créature, personne ne vous fera de mal. C'est pour ça qu'on l'avait vu sous forme de. Sous forme de Marcus, en fait, les sangsues. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Bon, ici, du coup, il n'y a rien pour le moment. J'ai loupé la mort de notre chauve-souris. Et oui, dommage, Caillot. Dommage. Oh, des lasagnes! Moi, je vais. Vous savez ce que j'ai mangé à midi? J'ai mangé des gnocchis. Hier soir, vous savez ce que j'ai mangé? Des gnocchis. Vous savez ce que je vais manger ce soir encore? Des gnocchis. Voilà, parce que c'est trop bon les gnocchis. C'est bon? Et bonsoir, Meilyn, comment vas-tu? Ah, je me disais, il y a. Je me disais, c'est bizarre. Oh, la caméra. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur nous? On a du ruban encreur. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? On va poser le ruban encreur. Laisser, oui. Ça va et toi, Madame Gnocchi? Bah, ça va super, merci. J'adore les gnocchis. Je veux pas, on t'envoie un petit pain à préparer, histoire que ça change. Si tu veux, mais bon, je suis pas sûre qu'il arrive dans un bon état. Tu devras apprendre à les revisiter, les gnocchis. J'en ai mangé des revisités, mais c'est trop long à cuisiner, que les gnocchis à cuire et les gnocchis à poêler. Ça dure 3 minutes et c'est bon. Tu vois, t'attends plus, c'est trop cool, je te jure. Hein. Du coup, on va pas aller là tout de suite, on va. Laisser. J'ai laissé, hein, oui. Je récupère la plante pour la donner à elle, parce que elle va en avoir besoin, je pense. J'ai faim. Là, ça y est, vous me donnez faim! Oh. C'est où? C'est là. Ah oui, il faudrait peut-être que j'aille voir là où il y a la. Oh, mais j'ai pas envie. Oh, mais Ewin, mais réfléchis! Mais réfléchis, Ewin! Oh là là, faut que je réfléchisse plus. Faut que je réfléchisse plus. Il y a un truc, je suis vraiment pas. Envoyer quelque chose, oui. Déjà, je vais envoyer quelque chose. Pas faux. Bon, bah, va falloir qu'on fasse à manger chez toi, alors. Comme ça, pas de surprise. Exactement. Étrangement, Mel Palmer n'est pas très confiante de savoir que je sois sur ton live. Non, arrête. Elle est encore là, Mel Palmer? Je pensais pas qu'elle était encore là. Où est. Ah non, je crois pas, oui, voilà. Donc elle sait pas pour le moment, tu vois. Ça va. Il y a un truc là. Ah non. Ça va être par là. Il faut que je. Vous allez comprendre. J'ai pas envie d'expliquer, je suis trop fatiguée. Ah! D'accord, pour l'embêter, non mais la pauvre. Je vais prendre ça. Oui. On va carrément tout envoyer comme ça, c'est fait. Ça va être un peu chiant, mais on va le faire. Et en gros, t'as raté plein de trucs qui brillent par terre. C'est peut-être fait exprès à Clong, tu sais. Ça fait 20 minutes que je suis ici, donc je sais peut-être. Tu devrais arrêter, je pense, que tu as trop faim pour. Mais non, 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 j'ai envie de continuer. J'ai très envie de continuer, par contre. C'est juste que j'ai faim. On va continuer parce que je voudrais. Aller jusqu'à un certain point. Me demande pas lequel, je ne sais pas. Mais je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite. Voilà, sache-le. Ok. Ah, je vais lui en. Oh, oui, voilà, je vais lui envoyer ça. Envoyer quelque chose, oui. Vie. Ok, ça. Je suis pas encore satisfaite de ma session.
Là, si j'arrête maintenant, je vais être frustrée et je vais vouloir reprendre. Et demain, je vais lancer un live alors que j'ai pas le droit de lancer de live demain. Parce qu'il faut que je finisse mes cartons. Oh non, j'ai rien. Oh non, mais... Je ne peux pas transporter cet objet. Ok. Mais je comprends pas pourquoi ça l'embête, Maïline. En fait, j'ai pas tout compris. Mais je sais pas. Le grappin... Ah ouais, tu penses... Ok, bon bah alors, je vais le laisser. Et je vais récupérer les munitions. Oui. Bof, je sais pas si elles vont me servir vraiment les munitions. Hein. Ok. Il y a quelque chose dedans. Oui. C'est bon? Ok, vous êtes prêts parce que ça va être fail sur fail sur 100% de fail, ok? Je pense que vous allez bien vous foutre de moi pour ce qui va se passer. Dix ans d'amitié, j'adore la torturer. La pauvre. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ma voix et... Bah, moi, je trouve que c'est ma voix, donc... La pauvre. Oh bah, t'aurais pas dû montrer ta présence si... Comme par hasard, elle réplique. Ah bah, attends, en même temps, elle vient vérifier que tu te dises pas n'importe quoi. Du coup, est-ce que vous êtes prêts pour le plus gros fail? Est-ce que vous êtes prêts pour le fail, les amis? Ça va être du gros skill, mais du pur et dur, d'accord? La Molotov. Les gens qui étaient là aujourd'hui, ils ont dû voir. Tu as ta dose de... Oh non, arrêtez. Moi, je trouve ça bizarre. Vous me surveillez. Je pense un peu des deux. On adore ma voix. C'est bien de l'écouter, non? Pas du tout. Mais non, du putain! Oh! Oh bah après, vous restez comme vous pouvez, quoi. Hein. Tu sais, y a pas d'obligation. Non, mais par contre, ça, je suis pas d'accord. Tu vas lancer. Caillou, pourquoi il met 10 ans à lancer la Molotov? Il fait pas ça? Pourquoi il met 10 ans? Lanky Joubidja. Quoi? J'ai pas compris. Pourquoi il met 150 ans à lancer une Molotov? Qu'on m'explique. Et ce que je veux dire, c'est qu'il met 10 ans. C'est bon, il est mort? C'est mort. Mais 10 ans à lancer la Molotov à chaque fois. Qu'est-ce que c'est? Des échantillons de sang su. Appuyez sur le bouton. Est-ce que j'ai vraiment envie? Ouais? Je suis censée faire quoi? Attends, pardon. Je suis censée faire quoi avec une capsule à sang su? Examiner. La capsule semble contenir un spécimen de sang su. Impossible de doter le couvercle. Bah, tant mieux. Oh, mais c'est immonde. Oh, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Vraiment. Hein. Je déteste les sang su. Oui. Là, il y a des Molotov. C'est peut-être pas un bon plan d'appuyer sur le bouton. Bah, trop tard. Puis pourquoi faut demander à Capcom? Ah bah, ben, je sais pas, peut-être que t'avais la réponse, tu vois. Question de synergie ou je sais pas. Combiné. Qui? Moi, elle me déteste? Pourquoi elle me déteste?
Pourquoi elle me déteste? Qu'est-ce que j'ai fait? A été réduit en pièces, bah c'est bien, c'est cool, tant mieux. Je sais pas où étaient les autres... Les autres bouteilles, il y a d'autres bouteilles. Je sais plus où elles sont. Elles sont là, hein. Il me semble qu'elles sont là. Allure. Ok. Les bouteilles. Les bouteilles, c'est ça. Quoi? On va laisser. Et on va reprendre ça. Ok, prendre. On va combiner, voilà. Comme ça. Ensuite, ça, on laisse. On va sauvegarder, évidemment. On prend pas de risque, on prend plus de risque, c'est fini. C'est fini les risques. Sauvegarder, oui. Je vois ce que tu veux faire. Mais je comprends rien à votre conversation. C'est que potentiellement, si on ne finit pas aujourd'hui, ce qui est fort probable, s'il faut la semaine prochaine, il n'y aura pas de live à cause du déménagement. Ça va être terrible, parce que du coup, quand on va reprendre, on va pas savoir ce qu'il faut faire, en fait. Ça va être un enfer. Je la torture en la faisant stresser d'une possible connerie que je peux faire. Oh, mais il y a... Tu sais quoi, Mel Palmer, l'écoute pas, tu seras jamais mal à l'aise ici, t'inquiète. Si, on prend toi la rigolade. Don't worry. Non. Tac. Mais du coup, ça, on peut toujours pas ouvrir. Ok. Ça, on va prendre. Oui, on aura juste à revoir les lives, mais bon. C'est trop pour sauter. Quoi? Tu me demandes de sauter? Ah, mais non. Mais je dois faire quoi? Alors là, par contre, c'est ce que je sais pas, c'est il est où? Il est où le récipient? C'est ça que je comprends pas. Oh non. Attends. Oh non, Oh non. Mais c'est horrible. Bonjour. Attends. Attends. Le 13-4, tu live? Oh, probablement, ouais, probablement. C'est son anniversaire, c'est ça? En fait, ce que je me dis, c'est que du coup... Combiner. Non. Examiner. En fait, je vous explique. La forme de ça, c'est la porte où on peut pas aller. Mais arrête, bah, je m'en souviendrai. bien joué, Mylène. Ici, on souhaite les joyeux anniversaires à tout le monde et même qu'il y ait une clé de jeu offerte. En fait, regardez, ça a la taille d'une sangsue. Comment je... Tout bénef. Eh ouais. Non, mais là, je comprends pas. Il me faut un récipient que je n'ai pas. Ça, c'est quoi? Non. Je comprends pas. Utiliser? Non. On va changer de côté. Peut-être qu'il y a quelque chose... Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Une porte ou je sais pas. Les bouteilles quand elles sont... Non, elles peuvent pas servir justement. J'ai essayé, je me suis dit bah ouais. Mais non. Elle est vide. Ok. Il n'y a pas le zombie là.
Ok. Elle a su se défendre toute seule, du coup, j'imagine. Contient les livres traitants du virus. Ok. Je sais pas. T'as besoin de Rebecca, c'est elle la chimiste. Ouais, bah ouais. Ah, du coup, faudrait que je revienne. Oui, mais quand bien même, c'est elle la chimiste. En fait, c'est pas ça le problème. C'est quoi ça? Ah, ok. Ok. D'accord. Je comprends. Donc là, le mieux, c'était que je retourne avec Rebecca dans l'autre maison pour prendre le récipient. Ah. Ok, j'ai compris. Bon. Ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là parce que là, ça promet d'être long. Ça promet d'être hyper long. Je vais m'arrêter là. Parce que si je me lance là-dedans et que je me coupe en plein milieu, ça va être l'anarchie. Ça va être vraiment l'anarchie. Et je crois que je comprendrai plus rien.